Bonjour, je m'appelle Jonathan Dos Santos, je suis le directeur d'exploitation chez Alpha Ford et c'est avec énormément de plaisir que je vous présente le nouveau Ford Everest. C'est le Ford Everest de troisième génération. Il a été lancé l'année dernière mondialement et nous le recevons finalement cette année en Tunisie. Ce qui est remarquable chez l'Everest, c'est que c'est un véhicule polyvalent. C'est un véhicule qui est aussi bien un véhicule quasiment de luxe pour rouler en ville, comme un vrai véhicule capable d'aller en tout terrain, aussi bien dans le Sahara que sur la plage, sur des rochers, dans de la boue. Donc c'est vraiment un véhicule qui est capable de quasiment tout. Ce qui le distingue de la génération antérieure, tout d'abord, c'est le design. C'est vraiment impossible de ne pas reconnaître le nouvel Everest avec cette signature lumineuse que vous avez à l'avant, cette grande grille. On ressent vraiment l'origine de la marque Ford, des pick-up américains, et l'Everest, c'est vraiment ce modèle qui nous rapproche de ses origines. Ensuite, c'est un véhicule tout à fait capable, de par son moteur 2 litres biturbo de 213 chevaux, avec 500 Nm de couple, donc c'est vraiment la puissance et le couple pour vous tirer d'affaires dans toutes les situations, et couplé à une boîte automatique de 10 vitesses, donc c'est vraiment la puissance d'un côté et l'économie de carburant de l'autre. Ensuite, à l'intérieur, vous entrez dans la nouvelle génération de véhicules Ford. C'est un véhicule avec un niveau de finition anormalement haut, si vous voulez. C'est un niveau de finition auquel nous n'étions pas habitués sur les véhicules Ford. Ça nous propulse en avant, ça nous rapproche de certains de nos concurrents, on va dire, plutôt allemands. On a vraiment des matériaux utilisés qui sont de très haute qualité, des finitions qui sont très, très agréables au toucher et aussi au regard. Et puis, quand vous rentrez dans ce Ford Everest, vous ne pouvez pas rater cet écran de 12 pouces qu'il y a, cet écran vertical qu'il y a sur la console centrale, qui est un peu le centre de vie du véhicule. Vous y avez aussi bien le Apple CarPlay et le Android Auto sans fil. D'ailleurs, vous avez le chargeur sans fil sous cet écran, donc vous n'avez qu'à disposer votre téléphone et non seulement il chargera, mais il se connectera à l'écran. Et vous avez tout ce qui est média, tout ce qui est réglage du véhicule, aussi bien les réglages, on va dire, au quotidien que les réglages quand vous partez en off-road. Justement, quand vous partez en off-road, vous avez un bouton off-road qui vous permet de contrôler aussi bien l'angle et la position du véhicule avant-arrière que sur les côtés, et vous avez aussi un diagramme qui vous montre l'état de traction du véhicule, essieu avant, essieu arrière, blocage différentiel. Vous avez aussi le contrôle de traction, donc c'est vraiment le centre d'information pour que vous puissiez profiter au maximum de ce véhicule. Sans oublier qu'à la place du conducteur, vous avez un siège électrique réglable en 8 voies et devant vous, vous avez un autre écran de 10 pouces complètement personnalisable, où vous avez aussi bien la vitesse que le compte tour, que la température d'huile, toute une série d'informations qui est disponible comme ça à vue d'œil lorsque vous conduisez, qui vous permet vraiment d'avoir un confort de conduite, un véhicule qui réagit quand vous accélérez sur route et qui vous sort de toutes sortes d'aventures quand vous êtes en off-road. Donc pour nous, pour résumer, le Ford Everest de nouvelle génération, c'est avec énormément de plaisir que nous le recevons. Ça nous propulse dans une nouvelle gamme de véhicules, à la fois de luxe, à la fois compétent, capable en off-road, mais qui reste tout de même économe, confortable, et je suis peut-être un peu suspect, mais vraiment avec un design incroyable. Donc c'est vraiment pour nous une très bonne opportunité d'avoir les véhicules comme ça en Tunisie. Nous avons aujourd'hui disponible en Tunisie la version Limited qui est disponible à 290 000 dinars et nous espérons en début d'année 2024 de recevoir la version XLT qui est une version tournée plus sport à 260 000 dinars.